وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما Au début du 8e siècle, l'islam semble définitivement établi comme une nouvelle religion. Jean de Damas, Jean Damasène, qui fut haut fonctionnaire chrétien à la cour du calife, rédige un important traité considérant l'islam, la doctrine des Ismaélites, comme une hérésie du christianisme. C'est-à-dire que moins d'un siècle après la mort de Mahomet, une ambiguïté demeure. To me, this reflects the fact that uh, John of Damascus, who is writing in Greek somewhere between the years 724, 749 or so, is already well aware of things that are said in the Quran. There are passages here that are virtual quotations of the Quran, albeit uh, paraphrased in many or most instances, uh, in such a way as to put them forward uh, in their most implausible sense, because he, of course, is writing against uh, uh, what he knows uh, is uh, proclaimed. point donc il écrit ceci à partir de cette époque et jusqu'à nos jours un faux prophète du nom de mahomet s'est levé parmi eux qui après avoir pris connaissance par hasard de l'ancien et du nouveau testament fonda sa propre hérésie. Après s'être concilié la faveur du peuple en simulant la piété, il insinue qu'une écriture venue du ciel lui a été révélée par Dieu. Ayant rédigé dans son livre quelques doctrines risibles, il leur transmet cette façon d'adorer Dieu. Alors la suite est relativement positive. Il dit qu'il y a un seul Dieu, créateur de toutes choses, qu'il n'a pas été engendré et qu'il n'a pas engendré. Voilà en effet un point tout à fait décisif de la différence entre christianisme et islam. L'islam récuse radicalement la notion d'un Dieu père. Donc si Dieu n'est pas père, il n'y a pas de fils de Dieu. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Selon ses dires, le Christ est le Verbe de Dieu et son esprit, tout à fait juste. Mais il est créé et il est un serviteur. Il est né sans semence de Marie. La sœur de Moïse et d'Aaron. Tout cela est assez juste par rapport au texte du Coran. En effet, dit-il, le Verbe et l'Esprit de Dieu sont entrés en Marie et ont engendré Jésus, qui fut un prophète et un serviteur de Dieu. Et selon lui, les Juifs, au mépris de la loi, voulurent le mettre en croix et, après s'être emparés de lui, ils n'ont crucifié que son ombre. Et j'en viens à cette grande accusation théologique, alors tout à fait sérieuse. Il nous appelle associateurs. Parce que disent-ils, nous introduisons à côté de Dieu un associé lorsque nous disons que le Christ est Fils de Dieu et Dieu. En effet, je crois que c'est le point focal de la différence entre christianisme et islam. Jean Damascène, qui est le dernier père de l'Église, euh, nous pouvait euh, réfléchir que dans le cadre d'un certain euh, centrisme, logocentrisme, et donc euh, tous les autres ne pouvaient être que issus d'un certain christianisme mais déviant par rapport au christianisme euh, le plus orthodoxe. C'est une attitude tout à fait compréhensible parce que Jean Damascène n'était pas historien. Il a écrit le livre des hérésies. Et donc, euh, c'est une attitude commune, de la même façon que les musulmans par la suite, lorsqu'ils ont classifié les sectes, ils ont classifié les sectes chrétiennes comme étant plus ou moins proches de l'islam, euh, parce que il y a des divergences, mais il y a aussi des correspondances entre le, le christianisme et l'islam. Et donc, c'est une question de degré. C'est exactement la même logique qui sous-tendait la position de Jean Damascène. En plus, il ne faut pas oublier que les musulmans de l'époque de Jean Damascène étaient minoritaires par rapport au peuple de la région. Donc, on pouvait envisager qu'il ne pouvait être qu'une secte. Ajoutons à cela que Jean Damascène... Appartient à une famille de secrétaires euh, de la bureaucratie omeyyade qui a été évincée au profit de scribes et de secrétaires de chancellerie musulmans et arabes. On voit que son attitude ne peut pas être objective. Ce n'est pas l'histoire qui reflète Jean Damascène, loin de là. Mais euh, il est logique que quelqu'un comme Saint Jean d'Amazène puisse considérer oh, que l'islam est une espèce d'hérésie chrétienne. Et les gens du Moyen Âge chrétien, d'ailleurs, à l'Ouest, ont toujours considéré que c'est une, au début du Moyen Âge, comme c'est une hérésie chrétienne. Euh... Il y a même eu des choses ridicules comme quoi le prophète était a créé une nouvelle religion parce qu'on lui a refusé le chapeau de cardinal. Mais ça, c'est la naïveté de certains de l'Occident chrétien au Moyen-Âge, au Moyen-Âge. Bon, ben, c'est normal qu'ils considèrent ça comme une hérésie chrétienne. Et ils voient mal, d'ailleurs, comment un peuple du désert, que les, les chrétiens romanisés de Syrie et civilisés... Uh, Qu'on soit mal uh, que l'on soit sorti une religion uh, structurée, etc. C'est un personnage exceptionnel pour eux, ce Mahomet, uh, uh, qui, uh, qui a fait son hérésie comme les autres. Il y en avait il y en a des pleins. Now, first, we must remember that Christians at this time were a bit obsessed with with heresies in the late antique period. Um, this was the sort of thing if you're a christian scholar that, that you did is you wrote heresiographies books describing all of the different heresies and this was part of the christian sort of desire and devotion to the true faith taught by the apostles how do you preserve it you identify all the false interpretations that are not apostolic in his day heresibus john of damascus has 101 chapters in which he, um, each chapter he devotes to a different heresy the 101st chapter is dedicated to the heresy of Ishmaelites. That word, Ishmaelites, which suggests this connection with Ishmael, is critical to the early Christian understanding of this new faith. The category by which biblically minded Christians used to understand these Arabs who had come, conquered the, the, the Near East and North Africa, in broader new faith. Um, is um, in fact um, the principal way in which um, they would develop a distinctly Christian notion of Islam. And in order to understand this notion, one has to understand the biblical mindset of Christians at the time, by which um, the, the, the Arabs were in fact the children of Ishmael. Why were they the children of Ishmael? Because in the Bible, we have the account by which Hagar is sent out into the desert. I think it's Genesis 21. And um, she's there not alone, but with her son Ishmael. And God then proceeds to promise to her that from her son, a great nation will emerge. A Christian who knows the Bible well sees this people coming in from the desert to the so called civilized regions of the world, a great nation, these mighty armies. Makes a logical conclusion that, well, this is what God predicted in the Bible, that so too, as with Isaac, from Ishmael a great people would emerge. And, and now they've, um, they've come back, in fact, to insist that they're the heirs also of Abraham. They've come back to conquer the promised land, promised to Abraham, and from their point of view, promised also to them. Rien n'indique avec certitude que Mahomet voulait fonder une nouvelle religion. Pour le Coran, il achève les prophéties bibliques. C'est le dernier prophète, le sceau des prophètes. En revendiquant sa filiation avec Abraham, Mahomet cherche avant tout à asseoir sa légitimité. Il a trouvé là une idée de génie, c'est l'abrahamisme. Puisque les chrétiens et les juifs ne veulent pas entrer dans cette, euh, on peut dire, nouvelle religion, en tout cas, qui s'est commencée à se constituer à, la, à Médine, eh bien, le prophète se réfère à ce moment-là à un ancêtre qui est à la fois un ancêtre corporel, c'est physique, c'est l'ancêtre des arabes, aussi bien que des autres. Mais un ancêtre... Un ancêtre spirituel, surtout, c'est-à-dire le monothéisme premier, primordial, le vrai, euh, celui d'Abraham, qui, précise le Coran, n'était ni juif ni chrétien. Et il s'étonne de ce que euh, les, les juifs, ou les gens du livre en tout cas, euh, puissent euh, le critiquer à ce sujet. Il dit Mais Abraham euh, les chrétiens et les juifs ne sont venus qu'après, leurs livres religieux ne sont venus qu'après Abraham, lui il remonte donc euh, pour chercher une légitimité. C'est d'ailleurs dans des passages magnifiques euh, à Abraham, le père du monothéisme, et le père physique des Arabes aussi, lui et son fils Ismaël selon la Bible. Euh, de sorte que le concept même d'islam, c'est un concept abrahamique. The way in which Abraham appears in uh, Second Temple Jewish documents, for example, uh, presents him very much as uh, a Torah observant uh, patriarch, albeit that he lived and died before the patriarchs themselves uh, and and before Moses and uh, uh, and uh, before the commandments. And similarly uh, in uh, Christianity, uh, he's made the father of faith, of course, uh, by St. Paul, but even later writers uh, like Eusebius of Caesarea, Maritima, for example, uh, who in his ecclesiastical history uh, presents Abraham as virtually. Uh, a christian avant la lettre so to speak uh, and uh, so uh, uh, in islam uh, he's is portrayed as being uh, neither a jew nor a nasrani a christian uh, but a muslim so uh, it's evident i guess in the case of He's the prototypical figure in all three communities, albeit it, that he looks differently, and he dresses differently, and he speaks differently in each of the three. Lislam se considère comme étant dans le sillage de ce Donc il appartient. Au même mouvement qui a commencé pour lui avec Abraham, mais même avant Abraham, à tous les prophètes Noé et Adam, ce qui est entre parenthèses une vision mythique de l'histoire, mais de toute façon, il se considère dans comme faisant partie, comme étant la continuation de cette tradition les versets dans ce sens-là sont très nombreux. Donc, dans la continuité du christianisme et du judaïsme. Dans la vision coranique, l'évangile c'est la suite de la Torah et euh, Jésus est l'auteur de l'évangile. Enfin, l'auteur et euh, celui auquel l'évangile a été révélé comme un coran. Donc c'est euh, on est dans la généalogie. Donc Mahomet, il a besoin de du maillon antérieur. Il ne peut pas sauter d'Abraham à lui. Il y, a, il y a Jésus au milieu. Il passe de euh, Abraham, euh, Moïse, euh, Jésus et lui. Donc Jésus, c'est celui qui le rattache à la généalogie antérieure. On est dans, dans cette optique tribale de la généalogie, la généalogie prophétique. Il y a euh, dans le Coran, euh, très nettement, ce qu'on pourrait appeler euh, un, un monoprophétisme. C'est-à-dire que tous les prophètes euh, sont présentés selon un modèle à peu près identique. Hein, euh, et même très souvent, la manière dont le... Euh, euh, la carrière des, des prophètes est souvent présentée sur, sur le modèle euh, d'une prédication, d'un avertissement adressé à un peuple et le peuple est incrédule euh, et malgré la, la menace du châtiment, le peuple ne se réforme pas, ne se convertit pas et le peuple est détruit. On a ce type de propos qui reviendrait régulièrement. Donc on a une conception stéréotypée finalement des prophètes qui fait que tous les prophètes ou presque sont présentés selon ce modèle-là, selon ce modèle de l'avertisseur. Euh, qui rappelle le, bon, la clé du message, l'unicité de Dieu, euh, l'imminence ou ou du jugement dernier, euh, la nécessité de se convertir, d'abandonner euh, l'idolâtrie et euh, la menace du châtiment qui euh, euh, survient immanquablement quand les peuples ne se convertissent pas. Tous ces prophètes en gros ont raconté la même chose. Et, dès, dès, et, et dans le Coran, il y a une conception... Du, du prophétisme ou du prophétat ab origine mundi, dès le, ou plutôt ab origine hominis, dès l'origine de l'homme. C'est-à-dire, entendez par là, depuis Adam, pour moi, le proto-homme mythique, mais en islam, Adam, le, pre, le premier prophète. Et donc, tout était déjà donné. Oui. Et tous les prophètes, avec quelques di différences, mais. Ont, en, en gros dit la même chose y compris jésus oui. et donc les, la parole ne leur est donnée que pour mieux illustrer cette constance dans la succession du prophè des prophètes oui. l'annonce d'une certaine conception du monothéisme I think if I were a Martian coming from Mars and I arrived on Earth and I was supposed to write a report on the history of, you know, Semitic religions, and uh, I, I was he, I was here long enough to watch it all develop, it would look to me like just that a development. You've got a series of, of beliefs that get developed over time. People, uh, human beings, are human. They seem to kill each other and err and disagree and do all kinds of things, and so that happens throughout time, and you get all kinds of 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 uh, offshoots and and developments, and you get Karaites and. Uh, in Judaism, and you get you know, uh, um, uh, so called heresies in, in early Christianity, and then you get councils, and things get resolved, blah, blah, blah. We, we all know the story. Um, and Islam is the same, of course. If we, even if we were to start at Islam and go forward, you have all that. But I think, with enough, w enough you know, um, distance, it's one narrative that you, could, that you can draw. And what's both disturbing about that and kind of funny, I, well, f funny may not be the right word, is that, of course, that's what the Quran is claiming. The Quran is claiming that it's all just one story that you've got the story of humanity and the story of humanity is to the story of humanity is connected the history the story of revelation and so everything's a development and um, so muhammad preaching shouldn't look different from jesus preaching which shouldn't look different from noah preaching and the only differences would be linguistic and regional specificities uh, and everything else you know is, is just details and uh, so if the Martian were writing a report that began with the life of Jesus and ended with the life of Muhammad, then Islam looks like a form of Christianity. If the Martian backs up, then they look like forms of what came before. And if uh, if the Martian is well trained as a historian and linguist, I think that what uh, he or she, or if there's even any gender on Mars, uh, what he would say is, um, you've got a fairly complicated but intertwined tradition. Playing out you know, on, a, on an area about this big, it, it has repercussions later because of the connection of those religions with um, empire. But before empire, Muhammad in Makar Medina, Jesus in Nazareth and elsewhere, Moses in Egypt and elsewhere, all look the same. Les Juifs, les chrétiens, les Musulmans. Tous se placent sous la tutelle d'Abraham, considéré comme le père fondateur de la véritable religion. Dernier prophète en date, Mahomet prétend restaurer le pur monothéisme. On revient toujours à cette affameuse affaire de la religion des origines. Euh, Adam était un musulman. Euh, Abraham, j'allais dire encore plus, était un musulman. Euh, Moïse était un musulman, Jésus était un musulman. Tous ceux qui n'ont pas abandonné la religion initiale étaient des musulmans. Mais une grande partie des juifs et des chrétiens ont erré. Ils ont falsifié leurs écritures. Je, je, oui, C'est déjà encore Et encore plus dans la, dans la tradition interprétante. Euh, euh, par conséquent, les, ils ont quitté le, le, la vraie religion originelle qui était la religion d'El Fitra, de la, de, ha, de la nature conforme à ce que Dieu voulait. El Fitra, Fatara, ça veut dire créer, la nature créée par Dieu. Donc euh, en fait, il n'y a qu'une seule religion, c'est l'islam qui était, qui était déjà avant, qui existait déjà avant Mahomet. Au moment où euh, est écrit hein, le Coran, on n'a pas encore cette idée qu'en fin de compte, il y aurait plusieurs histoires de Dieu avec l'homme. Donc il n'y a pas trois religions. Donc évidemment, aujourd'hui, les musulmans considèrent que Jésus est musulman, mais euh, Moïse aussi, et Abraham est même le premier musulman. Donc, euh, et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on euh, euh, nomme les chrétiens comme euh, mushrikin, parce que c'est péjoratif, et les juifs comme koufar, parce que c'est péjoratif. De la même façon que les premiers chrétiens avaient transformé le judaïsme en hérésie chrétienne, le Coran transforme le judaïsme et le christianisme en hérésie, de l'islam, l'islam n'est pas la religion de Mahomet, l'islam est la religion d'Abraham. L'islam est la, la véritable religion, a été révélée par Dieu à Abraham, les juifs l'ont perverti, puis les chrétiens l'ont perverti, et Mahomet, Muhammad, retourne à la véritable tradition de la révélation divine à Abraham, qui est la seule religion vraie, toutes les autres religions monothéistes, étant des perversions de ce seul et unique véritable message de Dieu à l'humanité. L'islam est is as différent de la christianité Christianity la christianité est du judaïsme. Il y a trois religions différentes, And they are trouble with them. yeah. People these days say, oh, I mean, people are building bridges. They're trying to say, oh, no, Jesus, no, Jesus is a linking point. He's not. On the contrary, just look at the at the polemics on the web about Jesus. Or they say, oh, all these religions are Abrahamic. Yes, but Abraham is also a dividing point because all three say he's mine, not yours. He's mine, not yours. and. Uh, what it means is that Judaism, Christianity, and Islam are fighting over the same religious territory. I mean, it's like fighting over the same geographical territory. We all want Jerusalem, of course, we're going to fight. And it happens the moment one of the three contending parties gains political power, things go violent. It's totally predictable. I mean, utterly, utterly, totally, 100% certainty. And of course, it happens in Islam as well. I mean the Muslims gain political power bam then you get the violence and the oppression and the persecution and so on so I think, I think uh, it is very important to realize that uh, these uh, seeming, seemingly bridging figures Jesus and Abraham are in fact points of division and I think will always always remain so traditionnellement on considère that Mahomet Le prophète de l'islam meurt en 632. Or, après sa mort, le nom de Mahomet que célèbrent aujourd'hui tous les musulmans n'apparaît dans aucun document écrit. Pendant plus d'un demi-siècle, Mahomet semble avoir disparu de l'histoire. Sur le site du, du Jebel-Houssaïs, qui est un, un site euh, qui se trouve en Syrie, environ 100, 120 km au, au sud-est de, de Damas, euh, nous avons un site très, très particulier qui consiste en fait en, en deux volcans, l'un à, à l'intérieur de l'autre. Et au sommet du, euh, du dernier volcan, celui qui se trouve le, le, le plus haut, euh, autour de la, de la corolle euh, du, du volcan, euh, se trouvent environ 80 euh, graphiques. Arabes. Parmi, euh, parmi ces graffitis, euh, on a bon nombre de ce que nous appelons des isolats coraniques, à savoir des versets coraniques présentés euh, simplement, c'est-à-dire sans invocation. Voilà, on a, on a le verset à poser sur la pierre sans aucune autre mention. Et parmi ces quelques isolats coraniques, nous en avons deux qui concernent strictement Jésus. Euh, clairement, dans les, euh, dans les graffitis les plus anciens, si vous voulez, nous, a, nous avons euh, des strates que l'on pourrait, euh, pourrait appeler des strates euh, de monothéisme pur, où euh, la, la, la seule référence au divin concerne Dieu. C'est-à-dire que nous avons la Shahada, c'est-à-dire la, la profession de foi euh, musulmane, mais nous, nous en avons uniquement la première moitié. La ilaha illallah, souvent on rajoute wahdahu ou la sharikala, et ça s'arrête là. C'est-à-dire il n'est de Dieu Dieu, que, que Allah, euh, seul et sans associé. La, la partie concernant, bien sûr, euh, Mohamed Rasulullah et, et, et Mahomet Mohammed et son envoyé euh, n'est absolument pas présente. Les épigraphistes ont noté, ceux qui relèvent les inscriptions, que ce soit aux portes des plus vieilles mosquées, dans les cimetières ou euh, sur des. Euh, sur des sites rocheux où euh, des, des gens qu'on ne connaît pas ont laissé des inscriptions, on remarque que la figure de Mahomet, le nom de Mahomet lui-même est quasiment absent. Euh, on trouve euh, mention euh, de l'unicité de Dieu, du fait que Dieu est allié de tel ou tel personnage, on trouve de temps en temps des inscriptions de noms de figures bibliques, on trouve Jésus de temps en temps, on trouve Moïse, on trouve Abraham, on trouve Noé, mais on ne trouve pas Mahomet. Le nom de Mohammed euh, n'apparaît pas euh, dans les documents musulmans les plus anciens. Ce sont des papyrus qui remontent à 22 de l'égire pour les plus anciens. Ce sont des inscriptions sur des rochers en Arabie. On en a déjà une, une bonne poignée, enfin disons quatre ou cinq. Euh, ce sont des papyrus de Nessana euh, dans, dans le Negev, euh, dans le Negev actuel en, en, en territoire israélien. Euh, effectivement, disons, dans tous les documents antérieurs dans, au Dôme du Rocher qui date de 72 de l'Égypte, qui date donc de 62 ans après la mort de Mohammed, donc une période pendant très longue, pendant ces 62 ans, le nom de Mohammed n'apparaît dans aucun document euh, produit euh, dans l'Empire islamique. Alors euh, ça peut apparaître comme un petit peu surprenant. Là, je dis 62 ans. En fait, c'est 61 ans parce qu'il est possible qu'il y ait une monnaie en Iran euh, faite par un anti-calife qui mentionne Mohammed en 71 de l'Égypte. Donc, euh, on peut raccourcir un tout petit peu, mais en fait disons, euh, là, c'est véritablement un détail. L'apparition du prophète, c'est clairement au sein de la majestueuse inscription du dôme du Rocher de Jérusalem, une inscription de euh, 240 mètres de long, euh, en comment dire, en mosaïque dorée sur fond bleu, qui représente euh, euh, l'intrusion euh, de l'écriture arabe euh, dans la société arabo-musulmane. On choisit un monument extraordinaire euh, architecturalement que l'on place bien sûr sur l'Esplanade du Temple au sommet. Et autour des déambulatoires, on va faire apposer sans doute par des artistes locaux cette très très longue inscription dans laquelle le prophète Mohammed va être, euh, va être cité euh, six fois. C'est en quelque sorte la présentation officielle du prophète. Nous avons euh, cinq fois Mohammed est l'envoyé de Dieu, que Dieu le bénisse. Mohammed est l'envoyé de Dieu. En vérité, Dieu et ses gens et ses anges bénissent le prophète. Mohammed est l'envoyé de Dieu, que Dieu le bénisse et ses anges. Mohammed est l'envoyé de Dieu, etc. Si on regarde maintenant la manière dont, euh, dont la, la figure euh, de, de Jésus dans la même inscription, euh, un petit peu avant ou un petit peu après, puisque bon, je veux dire, les, les, les deux personnages euh, prophétiques vont se, vont se mêler dans, dans cette longue inscription, si on regarde la manière dont Jésus est présenté, on s'aperçoit qu'il y a une réelle construction littéraire qui n'est absolument pas présente dans la manière, manière euh, j'allais dire, très simple dans laquelle euh, le, le, le prophète est lui présenté. Euh, Jésus. Oui, le Messie Jésus-Fils de Marie est le prophète de Dieu, sa parole qu'il a jetée en Marie, un esprit émanant de lui. Dans un, autre, dans un autre passage, un petit peu plus loin, ô oh Dieu, bénis ton messager et ton serviteur, Jésus, fils de Marie, et protège-le du jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort, où il sera ressuscité vivant. Le prophète Mohammed n'a pas tant d'efforts, je, je, je dirais, de la part du, euh, du personnage qui a, euh, de l'auteur de l'inscription. De, de, de Ensuite, nous avons une autre, euh, une autre citation c'est lui. Jésus, fils de Marie, la parole de vérité de laquelle il doute. On se serait plutôt attendu de la part d'un islam qui euh, s'installe à Jérusalem, euh, j'allais dire, on se, serait, on se serait attendu à euh, comment dire, un renforcement de la présentation du, euh, du prophète Mohammed. Or, ça reste très simple, le, le, les développements les plus intéressants, j'allais dire, euh, d'une manière rhétorique, euh, sont ceux qui concernent, qui concernent Jésus. It's an interesting point to reflect upon the importance of Jesus in really what is the first inscription with Quran in the world. The first the first Quranic inscription uh, that we have on you know a rock or a large building facade uh, speaks of Jesus and has a Quranic verse with Jesus' name in there. I think it's very uh, significant. Uh, what is the significance? It could be that you know that the the. The Muslims of that time, the Caliph, wanted to speak to Christians, wanted to reach out to Christians, wanted to prove to Christians that this is a tradition that respects their, uh, their founder, their Messiah. Um, and and could, could it be indicative of something even further that Jesus was, in fact, even more important before, and that with the passage of time, his role became uh, less important? السؤال: لماذا توجد هذه الكتابة أو هذا النقش في مكان كهذا في أورشليم القدس؟ سؤال أساسي فهو يعكس لنا مرحلة تاريخية من الإسلام تتضح فيه معالم دين جديد وهو الإسلام، وتتضح أيضا رؤيته إلى عيسى ابن مريم ويقولها جهارا في مكان يعد مركز المسيحية وهذا دليل واضح بأن الإسلام السياسي وصل إلى فصل بينه وبين المسيحية من الناحية السياسية ومن الناحية اللاهوتية. فهو هنا يشير بأنه يؤمن بمحمد عبد الله ورسوله وهكذا يؤمن بالمسيح عبد الله ورسوله، لا فرق بينهما. ويطلب من المسيحيين أن لا يغالوا بذلك. إذا هذا نص قانوني نحن نحترم المسيحيين الذين بيننا اذا آمنوا بالمسيح هكذا وهذه لحظة حاسمة في انفصال الاسلام لاهوتيا عن المسيحية الرسمية، المسيحية البيزنطية لأنه بطبيعة الحال جمع الاسلام القبائل العربية تحت دين جديد القبائل العربية الموجودة في الحجاز والموجودة في مكة والمدينة وهنا الطريق الأول الذي وجده هو إثبات ذاته في مدينة تعتبر مقدسة لليهود وللمسيحيين وأيضا للدين الجديد للمسلمين Paradoxalement, ce n'est pas à la Mecque ou à Médine, c'est en Palestine, à Jérusalem, La ville Sainte des Juifs et surtout des chrétiens que le calife Abdel Malik érige à la fin du 7e siècle, le premier grand monument de l'islam, le Dôme du Rocher. Dans le judaïsme, il y avait un temple unique. Euh, l'islam a développé euh, l'idée également d'un temple unique et ce temple se trouvait à La Mecque. Seulement au début du règne d'Abdel Malik, il y avait un anti-calife qui s'appelait Abdallah ibn al-Zubayr qui contrôlait l'Arabie et qui contrôlait en particulier la Mecque. Et donc, un certain nombre de textes laissent entendre que Abdel-Malek avait fait une croix sur la Mecque, abandonné l'Arabie à son, à son sort, et s'était dit qu'il était tout à fait souhaitable d'organiser un nouveau temple qui soit sous son contrôle politique. Et l'endroit qui s'imposait tout naturellement était l'emplacement de l'ancien temple. Donc, c'est là qu'il construit le, le dôme du rocher. Donc, il y avait une sorte de basculement, c'est-à-dire, alors que Mohammed, après avoir hésité, avait redonné une centralité à la Mecque, euh, Abdel Malik rendait cette centralité à Jérusalem, qui était l'orientation de la première Qibla, la première orientation de la prière. au moment de la fondation de la, la, principauté de, de This is a time when Mecca was not yet the significant capital of Islam. You know, Islam came out of Mecca, but Islam formed itself in Medina. Let us not forget that. And then, shortly after the Prophet Muhammad's death, 20 years after that, Islam is outside of Arabia altogether. So the Muslims left Arabia behind them, and they are now in the larger Near East. And there, they are competing with christians and jews and there they felt that the most significant place that if you are the legitimate heir of monotheism you have to claim hence why the umayyads started their first major religious architecture project in jerusalem so here they are polemically competing with christianity they built the dome of the rock it is meant to give an imposing view on the city landscape of jerusalem if you go nowadays to jerusalem the city is so immense that it obfuscates uh, how dominant and how imposing the dome of the rock was in the old city of the seventh century but if you can only imagine oh, medieval damascus uh, medieval jerusalem old jerusalem seventh century jerusalem you realize how imposing the dome of the rock was, and it was meant to compete with the church of the holy sepulchre. it was meant to tell the christians it was the city of the christians. there were very few jews there. si on regarde la topographie, de, la topographie du sacré, si vous voulez, à jérusalem au 7e siècle, on a le côté est de la ville, le mont du temple qui est rasé, euh, qui est une façon très claire pour les byzantins de dire que ce monde n'est plus sacré, le temple est détruit à jamais. Alors que l'église, la basilique de l'Anastasis, de la Résurrection, ce que les chrétiens d'Occident appellent le Saint-Sépulcre, la basilique de l'Anastasis, à l'ouest de la ville, est le monument le plus élevé, le plus brillant, le, plus, le manifestement le plus impressionnant de la ville de Jérusalem. Les musulmans arrivant à Jérusalem savent qu'ils ne sont pas chrétiens et la topographie de la ville devra refléter le changement politique et le changement religieux. Que font les musulmans quand ils arrivent à Jérusalem Ils se le demandent aussi et pour eux, que peut-on construire sur le mont du temple, sinon le temple. Une idée qui leur a certainement été soufflée par les juifs, en se demandant qu'est-ce qu'on qu qu fait, qu qu fait une fois qu'on est ici. Ben, on reconstruit le temple, c'est la, la, la chose normale à faire. Mais à un certain moment, assez vite, certainement avant la fin du 7e siècle, les musulmans se rendent compte qu'en en fait maintenant, avec leur nouvelle identité qui s'affirme et qui se confirme, en fait, ils sont maîtres de leur destin et ils peuvent très bien ne pas reconstruire le temple des Juifs, mais construire leur temple à eux, euh, ce qu'on appelle le, le dôme du rocher. Ce monument est d'autant plus étonnant qu'on a en même temps, je dirais, une rupture de tradition avec l'érection de ce monument sur une hauteur. Puisque euh, si on prend le Coran et euh, tout ce qui concerne euh, l'affichage du religieux dans le Coran, eh bien, si vous prenez par exemple la Kaaba, euh, la Kaaba qui est le principal lieu sacré de l'islam, euh, qui était autrefois un lieu païen, euh, eh bien, la Kaaba est située dans un bas-lieu. Hein. La Kaaba est située dans un bas-fond. Euh, le Coran dit que c'est le ventre de la Mecque. Euh, C'est-à-dire c'est le lieu de collection des eaux près du puits. Hein. La Kaaba est située dans un lieu où il y a de l'eau. Euh, et d'ailleurs c'est de temps en temps, hein, avant que les saoudiens fassent des travaux récents, c'était un lieu inondable de temps en temps. Hein. Euh, la Kaaba porte des pierres sacrées. Donc là on a vraiment le contraire. On a pour la première fois dans le monde musulman un haut lieu. Or non seulement la Kaaba est dans un bas lieu, mais toute construction en hauteur dans le Coran faite par des hommes, était considérée comme une offense à Dieu. Et là, on voit que l'islam est en train de changer de territoire parce que tout d'un coup, il s'affiche en hauteur. Le fait que les musulmans construisent un monument qui ressemble de certaines façons à la basilique de l'Anastasis, c'est-à-dire au Saint-Sépulcre, mais qui soit différent est plus beau que le Saint-Sépulcre, en couleur, de, en mosaïque, entre parenthèses construit par des ouvriers chrétiens, euh, des Arméniens. Des, les techniques sont des techniques que les, que les, que les Arméniens connaissaient, pas les, pas les, pas les Arabes du, du, du désert. Euh, le fait que les musulmans construisent une structure absolument impressionnante et plus impressionnante et plus élevé que l'Anastasis, que, la, que le Saint-Sépulcre, montre qu'il s'agit d'une structure antichrétienne. Il s'agit de montrer que la vérité passe maintenant par la nouvelle religion et ne, ne passe plus par la religion euh, du Christ crucifié qui était celle des Byzantins. Le calife Omar Deuxième successeur de Mahomet est le conquérant qui a mené l'islam hors d'Arabie jusqu'à prendre Jérusalem en 637. Le calife Abdel-Malik établit la victoire définitive des musulmans, promeut la figure de Mahomet et impose l'islam comme religion d'État. Si on se tourne encore une fois à l'époque de, de Abdelmalek, qui est, à mon sens, pas, pas seulement à mon sens, même selon beaucoup, le véritable artisan fondateur de l'islam en tant que religion institutionnelle, en tant que religion impériale. Euh, là, c'est-à-dire quand, quand on voit ce qu'a fait Abdelmalek, il est le, disons, l'artisan de l'arabisation de la langue. Jusque-là, l'administration de l'empire avait deux langues, le pélévi la langue de l'empire le, de, de sassanide des, des, des Perses ou le, le grec c'est-à-dire la, la langue de la, de la Byzance donc c'est Abdelmalek qui euh, qui arabise en quelque sorte euh, la langue de l'administration c'est-à-dire que euh, une, un, un pouvoir euh, politique doit être en même temps un pouvoir sacral Il doit avoir quelque chose de transcendantal et que euh, depuis des millénaires euh, ce pouvoir sacral doit avoir un support sous forme d'écriture. Ça ça, 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 ça remonte dans la, dans la nuit des temps. C'est-à-dire qu'une euh, un, religion ou, ou un empire ou un pouvoir qui n'a pas sa propre écriture ne peut pas être pris au sérieux. Again, going back to Abdelmalek, the early Islamic Empire reached a point in time when it was able to articulate itself as a Muslim dynasty, as an Arab Muslim dynasty, as an empire that spoke and wrote in Arabic, whose government uh, uh, wrote in Arabic, and whose people were basically beginning to become Arabs. They were being Arabized. So, this was a time in which it was possible for the state to advertise Islam as the new uh, state religion. I mean, it was always a state religion, but it, w it was now, in a sense, kind of uh, advertising it publicly for Jews and Christians to see. And by putting the, the elements that, uh, uh, that are present in there, like, uh, like Muhammad and Jesus, and the kind of uh, uh, having them in, on the same location, in the same place, in my opinion, I think that the, ro the role of doing this was to, to normalize the, the shift in power. The change in power—that uh, uh, you know, there, was, there was an old there was an older faith uh, with an older prophet who is venerated and respected in Islam, and his tradition and the textual tradition that is the Gospels are accepted and respected within the Quran as well. But that there's a new prophet now, and that prophet's name is Muhammad, and he has a new message, which is Islam, and he has a new text, which is the Quran. And so this is this is the right place and the right time to switch from one to another and this is, this is one of the reasons why some scholars believe that uh, during the reign of abdul-malik and in this, in this uh, during this time period is when the, the empire starts becoming truly islamic the successors of the prophet created an empire we don't know why but i have ideas on this subject i don't think that the prophet himself wanted to cross the borders of arabia or even même create an empire Euh, ces adeptes l'ont fait, probablement pour, parce qu'ils ont eu des, des problèmes après la mort du prophète avec les tribus arabes. Ils ont pensé qu'ils allaient les, les diriger vers l'ailleurs, vers l'extérieur, pour unifier leur, leur cœur, leur comportement, et, et les, les maintenir dans la nouvelle religion, qui était toute fraîche à cette époque, puisqu'il y a eu apostasie. After the conquest, every 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 everything is different after the conquest, because it's a totally new situation, and you know it's so rare when you think of it that a religion is born and then so quickly changes, completely changes in my environment. Imagine if Christianity has, you know, as soon as uh, Matthew had written, the whole thing went Gentile or, or went somewhere else and was written. You know, the continuation was in, was in Iraq, for example you would have had a completely different picture of, of the rise of christianity. that's what happens in the quran. and that's what happens to, to muhammad's message. no sooner has he given it, whew, goodbye to the place where all this is happened and where, you know, everything i said is reflected. and I and mean, we are on to something new uh, totally different. and the tradition is to grow up, i mean, the, earliest, the first generation of muslims that was, you know, uh, born after. في أول نشوء الإسلام أو الدين الجديد نحن أمام حركة إصلاحية للمجتمع الموجود وهذه الحركة الإصلاحية لم تكن بقوانين ولا شيء ولكن كانت بإنذار بأن يوم القيامة سيأتي بأن الديان سيأتي بأن هناك نار وبأن هناك فردوس هذه كانت الأفكار العامة هذه الأفكار تطورت لتكون نظرية دينية للإيمان بإله واحد يجمع يجمع من الثقافة الموجودة في مكة والمدينة يجمع من الثقافة اليهودية والمسيحية دينا جديدا يبعد ما فيهم من تحريفات من خلافات وهذه هي المرحلة اللاحقة أي المرحلة الأولى المدنية المرحلة الثانية المدنية بعد أن انتصر محمد كملك للعرب على اليهود أعلن دينا جديدا. هي ثلاث مراحل لفهم هذا الشيء، هي تحمل بداخلها بأنها أولا دعوة للخلاص والإيمان. ثانيا دعوة لتوحيد الأديان بإيمان واحد. ثالثا دين جديد وهو الإسلام. On pourrait effectivement dire que euh, 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 peut-être, en tout cas en partie chez certains, pas chez tous, il y a toujours des opportunistes, mais euh, la communauté, une partie de la communauté originelle qui entame les conquêtes le faisait peut-être avec l'espoir de reprendre euh, Jérusalem et euh, d'y voir le retour de Jésus. Et euh, cette activité missionnaire, et euh, politique et militaire, destinés finalement à préparer le terrain pour que soit accomplie la volonté de Dieu sur terre et le retour du Messie, a euh, amené, mais non pas la fin du monde, mais euh, un empire. L'islam el-Malik et de l'Omayyad est is l'islam d'un empire. Et uh, maintenant, l'islam qui doit être shapé avec la conscience de ce que la chrétienté est, religieusement et politiquement, ce que le judaïsme est, ce que le zoroastrianisme est. Uh, so, it's, it's being shaped in order to show that this is uh, the religion of the victors and the religion to rule the world, uh, both culturally and in terms of uh, 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 religion for its followers, uh, to pass a message for its followers. Uh, this is different from a, an attempt by a movement in Arabia in order to bring all the Arabs uh, into monotheism. Uh, and, and eliminate all forms of polytheism that were flourishing in Arabia. Uh, that that's that's different. Uh, it's different terrain, different groups of people, different challenges. So yes, the, the Islam of Muhammad is not the conflict, but it is different from the Islam of the Islamic tradition. I, I think what one has to ask is, if the Islamic conquest were not successful, would we have an Islam, and religion culture, la that's, that's question. La nouvelle religion fonde son autorité sur un livre sacré, le Coran, qui se veut la parole de Dieu révélée à Mahomet. Ce livre dense et complexe, original sur le plan religieux et novateur sur le plan littéraire, à une histoire plus énigmatique qu'il n'y paraît.